9h, Jean-Jérôme est déjà parti lui dans les vignes pour faire un petit footing. Moi, pendant ce temps-là, je suis à Van Romanée chez Anne Gros. Bonjour. Bonjour Anne, merci de nous accueillir ici bienvenue. À Van Romanée. Non, avec plaisir. Et vous faites 9 vins en tout? Oui, une petite exploitation de 6 hectares et demi avec 9 appellations. On va commencer en prie. Alors expliquez-nous un petit peu ce que vous faites une fois que le vin est pressé. Alors non, déjà l'arrivée des raisins. L'arrivée des raisins. Bon, moi je travaille en égrappage total, donc vous voyez bon, le matériel est un petit peu encore en vrac parce qu'on a besoin encore de ça pour les fins de vinification. Mm-hmm. Mais enfin bon, on a un égrappoir qui enlève toutes les rafles et puis après les raisins montent dans le tapis que vous voyez là, donc c'est l'appareil que vous voyez. Et puis donc on encuve les raisins rouges dans les cuves en béton à revêtement époxy. Si ça vous intéresse, je peux vous montrer une cuve de rouge en fermentation. D'accord. Ouais. Vous n'allez pas me faire déshabiller? Non, c'est raisin à pied. Non, je ne me fais pas piéger. Donc, ce qui est au-dessus, maintenant, on appelle ça le marc. Le marc. Alors, attendez. Oh, la vache! Elle est bien pleine, non? Oh là là! Ah, d'accord. Ah oui, je ne risque pas de tomber dans la cuve. Non. Et si je le mange, c'est quoi? Bah, ça va faire un petit peu... Bon. Si, raisin à l'eau de vie. Hein, donc, vous allez avoir de l'alcool dans les pots. Hein. Après, je vais décider de décuver. Donc, on va presser. D'accord. On va assembler jus de goutte et jus de presse donc, dans les tanks. Et après, donc, on va faire l'élevage en fût. Ah oui, l'eau de vie, le... Oh là là. Je vous suis, on va dans votre cave. Oui, on va aller voir ce qui se passe après en tonneau. Alors, on parle de tonneau en Bourgogne, on parle de pièces aussi. Et puis donc, ça s'appelle une bourguignonne, de toute façon, parce que donc la forme est différente de la bordelaise. Là, on a 228 litres dans la bourguignonne. Les bordelaises ont 225 litres. Et elles sont un petit peu plus longues, un petit peu plus en ballon de rugby, alors que les bourguignonnes sont plus arrondies, plus joufflues. Plus joufflues, voilà. Là, il faut accepter que chaque fût ait sa propre identité. Vous avez le même vin, vous faites 10 pièces de vin, vous faites donc 10 tonneaux. Après, quand vous les dégustez, ils ont chacun leur petite particularité. Il y en a qui ont des tonalités plus sucrées, d'autres qui ont des tonalités plus vertes, d'autres qui ont des tonalités plus boisées, vanillées. Enfin, oui, il y a des tonalités qui ressortent d'un fût à l'autre différentes et avec le même vin. On va rejoindre Jean-Jérôme quand même. On y va? On y va. Enfin, Jean-Jérôme. Je ne me suis pas trompé de parcelle? Non. Sur ma carte. Non, vous êtes bonjour. Formidable, vous êtes bien repéré. J'en avais une moi-même, mais vous n'en avez même pas besoin. C'est pas facile pour trouver la bonne parcelle quand on est ici. En Bourgogne, c'est plus compliqué pour nous. Elle se ressemble un petit peu, c'est vrai, mais bon, chaque climat est bien particulier, donc c'est pour ça qu'on a des plans bien délimités. Vous nous montrez? Vous n'êtes pas trompé, là, vous êtes bien dans les Richebourg. Alors, j'ai amené des petites choses, enfin une petite chose à goûter que nous sommes allés chercher dans la cave. Quand même assez sympathique. Hein. Alors ça. Alors ici, on est sur une parcelle, de Vaune Romanée qui vous appartient sur une toute petite surface. Elle est juste derrière nous, moins d'un hectare. Oui, 39 ares et 7 centiaires exactement, donc de Vaune Romanée appellation village, lieu dit les Barreaux. Donc si vous voulez voir comment ça se profile. Oui. Donc voilà, nous sommes ici là en ce moment là, donc juste devant les Richebourg et en montant un petit peu, donc on se retrouve au Barreau, le vin qu'on va déguster. En quoi cette parcelle-là, les Barreaux, De celles qui se trouvent juste à côté. Là par exemple, en face, vous avez les Brûlés, qui portent bien leur nom parce que c'est une exposition plein sud, donc ça donne des vins avec des acidités moindres, une maturité plus précoce. Donc ça fait des vins charmeurs, suaves, flatteurs, mais qui ont moins de potentiel de vieillissement que ce versant-là, parce qu'on appelle ça le Larret froid ou le versant nord, donc qui a un courant d'air un peu plus froid et puis une dalle
calcaire un petit peu plus affleurante et qui donne des vins un petit peu plus musclés, un petit peu plus acides, qui tiennent mieux dans le temps. Et on entend dire qu'il y a certaines appellations de Bourgogne qui sont plus féminines que les autres, plus veloutées, plus soyeuses, c'est vrai ? Alors, bon, on a un exemple très proche qui est Chambolle-Musigny. Tout le monde parle de vin féminin par rapport à l'élégance de la texture des tanins, des robes un petit peu plus légères, mais tout en finesse. Donc, voilà, mais après, un vin masculin, un vin féminin, bon, c'est un peu un découpage. Chacun, ouais. Oui, c'est un peu un découpage un peu trop schématique, quoi. Mais vous ne faites pas de vin féminin, non, précis, non, non, moi, je fais des vins... cuvées féminines. Non, je fais des vins de terroir, moi. Alors vous avez repris l'exploitation de votre père en 88. Et comment vous avez réussi à vous imposer dans ce milieu d'hommes ? Bon, les superstitions ont duré longtemps parce qu'on n'avait pas assez de connaissances œnologiques pour expliquer tous les incidents de parcours que pouvait rencontrer un vin. Voilà, une femme dans une cuverie, ça c'est pas enfin bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être une catastrophe. Donc voilà. Non, mais c'était juste le terrain réservé des hommes. La femme était plus au travail manuel de la vigne. Et c'est vrai que la cave était plutôt le terrain de l'homme. Mais bon, les choses ont changé, évoluent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la hiérarchie des crus en Bourgogne ? Comment ça fonctionne ? Bah, on a quatre zones, on va dire, bien distinctes, donc, qui sont les appellations régionales, comme Bourgogne, rouge, blanc, et Haute-Côte-de-Nuit, rouge, blanc. Tout ça, ça fait partie des appellations régionales. Ensuite, nous avons les appellations village qu'on retrouve en général, vous voyez, par rapport à la route nationale, donc un petit peu au-dessus. Hein, donc les terres les plus fertiles étant pour les Bourgognes, les terres un petit peu plus pauvres pour les villages. Et on trouve ensuite les premiers crus et certains endroits, des grands crus bien spécifiques qui correspondent à des climats, comme je vous ai expliqué, au niveau hygrométrie, exposition et qualité de sol. Si on a classé les grands crus à ces endroits-là, c'est parce qu'il y a une production régulière, même en années difficiles. Ce sont des parcelles qui mûrissent bien et qui donnent les meilleurs raisins. Alors tout à l'heure, quand on s'est eu au téléphone, vous m'avez dit « je vous donne rendez-vous sur le mur de Richebourg ». Donc là, c'est ici, voilà, c'est celui-là. Sur cette belle dalle nacrée, hein, ce beau morceau de calcaire. Donc il y a une partie des Richebourg qui est un petit peu sein de mur. En fait, il y a un lieu dit aussi au cœur des Richebourg qui s'appelle les Verroilles. C'est pas un clos ? Non, c'est pas un clos. Donc c'est pas ce qu'on appelle un clos ? Non, 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 un clos, il faut que ça soit complètement entouré de murs, hein, comme le clos Bougeot qui est complètement ceinturé. Hein. Donc là, la particularité d'un vin de Richebourg par rapport à un vin, le vôtre, de Vaune-Romané, qui se situe 100 mètres plus loin, juste derrière nous. Un Vaune-Romané, c'est quand même moins complexe qu'un Richebourg. Hein. Au niveau des vins que je produis, Vaune est toujours typé pour moi très épicé, très fruits noirs, sur le côté mûr, myrtille, voire un petit peu cassis. Le Richebourg, on est dans des choses beaucoup plus aériennes, éthérées. On va dans la rose, on va dans le musc, on va dans les arômes de souk, de fruits rouges, de fruits noirs. Il y a une complexité aromatique inégalable. Et la parcelle de la Romanée-Conti, vous pouvez nous la montrer de loin? Alors, là si vous voulez, elle est derrière cette petite butte là, et elle donne tout de suite, son exposition est plein est, donc sur le haut du village. Donc elle est à 200 mètres de votre parcelle, à peine? Oh, ouais, 300 mètres, à vol d'oiseau, oui. On a presque oublié notre panier. Oh, oui, alors oui, on discute beaucoup. Notre bon panier. On parle. Alors, donc c'est moi qui débouche. Voilà. Ouais. Ah oui. Alors je trouve ça quand même fabuleux. Voilà. Donc là, on va goûter un barreau, en fait. Hein, donc la parcelle qui est juste au-dessus. De pouvoir déguster un Vaune-Romané. Voilà, sous une voûte céleste bleue. Même si c'est sur le mur de Richebourg, mais votre parcelle de vigne. Rappelez-moi la surface. 39 arts. 39 arts. Et en fait, barreau, ça signifie barre rocheuse. Hein. Voilà, donc ça c'est un 2007, donc ça a 9 mois de bouteille maintenant. Et les amateurs de vin qui n'y connaissent absolument rien, qui tentent une première dégustation avec ce millésime-là, ils vont se régaler. D'accord. Et bien c'est nous. Donc, voilà. Bah, mais c'est moi aussi. Moi je me régale aussi. Donc, voilà, donc bienvenue. Merci. Merci. À Vaune, merci. Il y a pire moment quand même dans la vie que déguster un Vaune-Romané sur place, sur la parcelle,
avec son propriétaire. Donc, apprenez-nous à déguster ce veau, non ? Au nez, ensuite, bah déjà le nez, on a déjà des fruits mûrs. Hein. Oui. Je pense que je vais même jusqu'au raisin de Corinthe, un petit peu, hein, sans être trop cuit non plus. Il y a un petit côté empyrématique, bon, ça, c'est l'élevage aussi en fût. On donne C'est côté brûlé, torréfié, c'est ça ? Alors, oui, mais là, c'est pas brûlé, torréfié, on a juste ce côté un petit peu mocha. Donc, bienvenue. J'associe beaucoup les bourgognes à des grillades, des viandes grillées ou des sauces légères. J'aime pas du tout les plats trop lourds, parce que le pinot, c'est très élégant. Par contre, des viandes rôties, des associations sucrées-salées, ça marche assez bien. Et avec le fromage, ça, évidemment. Alors, le fromage, ça dépend, parce que c'est un faux ami, oui. Je suis très fan de vin blanc avec le fromage. Vin blanc sec ou vin blanc... Sec. Alors, les deux vont, c'est liquoreux aussi, hein, parce que vous avez les grands sauternes avec des roqueforts, donc ça fait des associations extraordinaires. Mais, un chardonnay avec du fromage, c'est magnifique. Donc, si vous voulez fromage avec du vin rouge, bon, faut aller dans le comté. Des pâtes cuites, mais pas très 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 aromatiques, parce que ça aigrit un petit peu le vin, alors que le blanc va stimuler au niveau aromatique. Ça va ressortir quelquefois le côté herbacé de certains vins rouges. Donc, Alors moi, j'avais une question un peu curieuse. Quel est le vin que vous emporteriez sur une île déserte ? Ah. Alors je vais vous dire aucun pour pas avoir de regrets. Donc là on est sur une parcelle de Richebourg. J'ai quand même envie d'aller prendre un peu de terre de Richebourg. Vous allez la goûter aussi ? C'est ça le terroir, non ? Oui, non, mais il y avait la tradition du gourmet, donc les gens qui testent. qui goûtaient les vins aussi goûtaient la terre. On dit que les moines goûtaient la terre pour déterminer les meilleurs terroirs. Ça me plaît, ça. Donc, c'est vrai que moi, je ne l'ai jamais fait, mais... Vas-y, Jean-Jérôme, ouais. C'est toi qui testes, je te rappelle dans cette émission. Il a déjà non, fait. Moi, j'ai déjà une dent en moins, donc... Là, vous avez... C'est ça le terroir, non ? Mais de toute façon, vous n'aurez pas le même goût de terre d'un endroit à l'autre. Ça, c'est une réalité. C'est bête, hein ? C'est ballot ? Vous serez le premier à le faire, là. Tu l'as pas goûté, le calcaire ? Je crois que je l'ai bien goûté, non ? Non, c'est la terre que tu as goûté. Oui. J'ai pas goûté le calcaire. Non, t'as pas goûté. Il a pris le caillou dans la bouche. Oh, vous êtes. Vous voyez, il y prend goût. Alors, quand on parle de minéralité d'un vin, pardon, je le mets jamais en association avec le côté caillou comme ça. La minéralité, elle vient vraiment en profondeur. C'est vraiment sur l'énergie du vin. On peut parler de minéralité dans un vin blanc avec les goûts quelquefois de cailloux mouillés, de silex, mais dans un rouge, ça ressort pas comme ça. C'est vraiment l'énergie même du vin. Anne, merci, je crois que c'est plus clair. Je ne vais pas vous serrer une main de terre de Richebourg. Elles sont tout le temps dans la terre, mes mains, donc je suis habituée. Anne, merci beaucoup pour votre accueil. Merci à vous. On y va ? On poursuit notre voyage ? Allez, on y va.